Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 de Pokémon Horror Gold Omen Nuzlocke Challenge. Et aujourd'hui, on va se faire la route victoire les amis. Donc c'est parti, on rentre direct ici. Seuls les dresseurs confirmés peuvent passer. Oh, les 8 badges de Johto, je vous en prie, passez. Et ouais, on est la star, on peut passer comme on veut. Cette route mène au mont argenté. Des Pokémon terrifiants y vivent. Tu n'as pas encore la force pour ça. Et d'où tu me traites de j'ai pas la force? En même temps, je veux bien le croire, hein, vu ce que je sais qu'il y a là-bas dedans. Bon, on va un peu se faire défoncer. Hein, par là, c'est Kanto. La route est bloquée et mes consignes sont claires. Personne ne doit passer. La consigne, c'est la consigne. Ok, ok, calmos, hein. Et voilà, et on arrive dans la route victoire. Route victoire, ma foi, plutôt facile. Donc déjà, on va commencer avec du repousse. Hop, et donc il faut force. Et bah donc, on va apprendre force. Tac, tac, tac. Vu qu'on n'a pas Krabos et qu'on peut pas le récupérer parce qu'il n'y a pas de PC, et ben on va l'apprendre. Je pense qu'on va l'apprendre à Marcacrin. Il est niveau 28. Donc bon, ça peut aller. Sachant qu'il évolue niveau 33, on peut avec de la chance avoir un Mamochon pour la ligue. Marcacrin ne sait plus utiliser Ténacité, apprend force, ok. Ok, tu fais force. Hop, allez, donc on avance, on va par là. Une potion, ok. Bon, on va essayer de récupérer à peu près tout ce qu'on peut. Sachant qu'il n'y a pas de dresseur, ça risque d'être assez court, je pense, vu qu'il n'y a pas de dresseur. En fait, elle n'est pas courte, la route, mais... Déjà elle est simple, ça c'est clair et net. Mais elle est pas courte, le problème c'est qu'il n'y a pas de dresseur. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est court. Mais elle est pas courte. Si on rajoute des dresseurs sur cette route, franchement elle peut durer facile 30 minutes. Alors que là, bon, je pense qu'en 10 minutes c'est torché, hein. Donc bah, la vidéo elle durera pas très longtemps. Déjà on a passé le premier passage de la route. On va... Ah mais non, là on peut pas passer. Ouais, on peut pas. Avec force, repousse disciple. Ok, on en remet. Hein. Non, je veux mettre les repousses. Utiliser. Ok, le bug pas très sympa. Qui disparaît évidemment quand on fait ça. Hop, alors bon, c'est tout bidon. Hein. On suit la route tout simplement. Juste, il y a quoi en bas? Là, il n'y a rien. Ok, là on tombe dans le trou. Ok, on continue. On pousse le caillou. Alors, bah faut le pousser que d'un cran là en fait. Pour pouvoir passer comme ça et choper une guérison, c'est plutôt pas mal. Hop, alors là, ok, on s'en fout. Donc le trou qu'il y a là, il retombe juste en dessous, donc ça sert à rien, on s'en fout. Un objet. Il y a déjà la fin. Hyperbole, ok. On voit déjà la fin pour le dire, donc bon, bah, voilà quoi. Pour dire comme ça va être court, alors là, on va prendre le trou du haut. Enlève-moi ce bug. Ouais, donc effectivement c'était le trou du haut qu'il fallait prendre. Parce que l'autre il nous fait atterrir plus en dessous. Repousse se dissipe. On va en mettre. Pour pas être dérangé. Parce qu'il y a que des Gravalanches, Onyx, Nosferalto, la routine quoi. Si, il y a des Donphans je crois aussi. Il y a peut-être des Donphans. Ouais, je crois bien qu'il y a des Donphans.
Ok, là il y a quoi? Super bonbon. Oh, ça c'est pas mal. On va tomber dans le trou pour voir ce qu'il y a. Peut-être un objet. Ah, déjà il y a l'objet de là qu'on pouvait pas venir chercher. La CT26 séisme. C'est génial, ça, ça va nous être utile. On va la prendre, hein. Clairement, on va la prendre à quelqu'un. C'est obligatoire, ça, séisme. Ok, on revient là. Et ben, on va descendre. Alors là, on n'a pas éclat rock. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, on va continuer, on va pas le faire. Et, ok, donc on est à la fin, mais... Silver arrive. Minute! Tu vas relever le défi de la Ligue Pokémon? J'imagine que nous sommes juste devant la sortie de la route victoire. Mais, t'as vu, il n'y avait pas un seul dresseur jusque là. Ouais, j'ai vu. Pff. Tous des minables, les uns comme les autres. Bah, si toi, tu as pu arriver jusque là, alors tu es peut-être moins ridicule qu'eux. Mais, tu n'iras pas plus loin. Parce que je vais t'écraser maintenant. C'est parti. Je pense que... Franchement que c'est, ça doit être un des derniers combats contre Silver. Je pense, hein, franchement. Ouais. À mon avis, c'est une des dernières fois qu'on va l'affronter. Je sais qu'il y a une fois où on l'affronte. Il est à peu près niveau 60. Mais c'est dans très 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 longtemps. Donc Farfuret, déjà, il va se faire tuer. D'ailleurs, c'est dans l'Antre du Dragon qu'on l'affronte quand il est niveau 60. Mais c'est largement pas pour tout de suite. Alligator. Niveau 40. Waouh, c'est assez chaud. On va mettre Faramp. Cascade. Ça fait mal ou pas? Ah ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Et ben on va mettre une potion. En espérant qu'il refasse pas cascade. Allez, tu refais pas cascade. Fais une attaque nulle ou loupe ton attaque. Ou au pire fais cascade et paralyse-toi, ça me dérange pas non plus. Hein. Machouille, paralyse-toi. Paralyse-toi, ça va être génial. Ça c'est parfait. T'as fait ce qu'il fallait. Ok, oui, voilà, c'est bon. Il a pile fait ce qu'il fallait. Ok, bon, on va se soigner vite fait. Ok, il est paralysé. Bah, c'est parti, coup de jus. Hein. Je pense que, bon, on va se le faire assez facilement, du coup, vu qu'il s'est paralysé. Sans la paralysie, ça aurait été plus dur. Mais bon, là, ça va le faire. Sauf s'il fait un coup critique, mais bon, faut vraiment pas de chance. Ok, c'est bon, j'ai pas la poisse au point de me prendre un coup critique quand il faut pas. Ok, donc déjà le Alligator niveau 40 c'est fait, c'était son plus fort. Donc c'est déjà moins dur que le Hippo Roi de la championne d'Arène 8, hein. C'est déjà un peu plus simple. Marc Écrin niveau 29. Nosferalto. Nosferalto, je pense qu'on peut se le faire avec Faramp aussi, ça peut être bien. Surtout comme ça, ça le fera monter niveau 35. Bon, je vous rassure, hein, la ligue elle a un niveau minable. Hein, Faramp niveau 35, il pourra gérer au niveau 35. Hein, il va pas être inutile à cause de son niveau faible. Ok, déjà lui il est paralysé. Allez, ça c'est fait. Et maintenant, un petit coup de jus. Donc il a pas fait Onde Folie, donc c'est pas mal. Hein. Comme ça, ça va pas nous embêter. Ah, je l'ai pas one shot. Et bah voilà, il suffisait de parler de quelque chose, enfin du diable, pour que ça arrive. Sois pas paralysé, s'il te plaît. Ok, comme d'hab. Comme d'hab, j'ai pas de chance. Comme d'hab, je me fais toucher. Chaque fois que je suis paralysé, je me fais toucher. Obligé, ça c'est... Tout le temps. D'ailleurs, on n'a plus de potions et de trucs comme ça. Ouais, voilà, c'est bon, on l'a eu. On n'a plus de potions, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin pour finir ça. Enfin, pour finir ce combat, on va pas avoir besoin de potions, je pense, hein, vu ceux qui restent. Alors lui, c'est pour Togetic, hein, y a pas photo.
Ok, il fait malédiction. Ok, bon bah c'est parfait, on va lui... Bon, c'est parfait. Ça nous enlève beaucoup de vie, mais extrasenseur, on va le tuer. Oh non. C'est ultra bien joué de sa part. Mais... Pour ça, il faudrait qu'il résiste. Parce que si je le tue, le regard noir disparaît. Et donc je vais pouvoir changer. Donc je vais pas mourir à la malédiction. Vous inquiétez pas. Et heureusement d'ailleurs, heureusement pour moi, parce que sinon là on aurait été mal. Mais bon. Après voilà, c'est moitié bien joué, moitié mal joué. Magnéton. Alors, Magnéton, on va mettre Batiflosion. Attendez, regardez, Marc Acrin, il avance bien, hein, Marc Acrin. Il est quand même pas mal, là, il va bientôt passer le niveau 30, donc c'est plutôt bien. Puis les niveaux qui manquent, on les fera au Super Bonbon pour qu'il évolue, hein, parce qu'il nous faut absolument un Mamochon. Ça va être obligatoire. D'ailleurs, le Multiex, je pense que je vais lui laisser le Multiex même pendant la ligue. Histoire qu'il monte encore de niveau pendant la ligue pour qu'il soit un niveau très élevé au combat. Parce qu'il y a un combat où on va avoir besoin de lui énormément. Donc bon. Et Kadabra. Kadabra, bah. Bon, on va le faire avec Typhlosion, je pense. Ça peut. Ouais, ça peut aller. Protection. Ok. T'as mal joué à mon avis. T'es qu'un minable, ok. Bon. En attendant là, c'est toi le minable. Parce que je t'ai tué tous mes Pokémon sans que tu m'en tues aucun. Excusez-moi. Donc voilà quoi. Hein, à mon avis, c'est toi le minable. Hein. Et voilà, et on a battu Silver. Je n'ai pas pu te vaincre. J'ai donné tout ce que j'avais. Cette chose que tu avais. Je commence à apprendre ce que. Ok, bon, ok. Pas eu le temps de lire. Je n'ai pas abandonné mon rêve de devenir le plus grand des dresseurs. Je comprendrai pourquoi j'ai perdu aujourd'hui. Et je comblerai cette lacune. Et je te défierai à nouveau. Je mettrai toutes mes forces dans le combat. Et tu perdras. Accroche-toi, minable. Pour dire, c'est plutôt toi le minable. Hein. Ok, notre mère qui nous appelle. On va voir combien d'XP il lui manque pour passer niveau 30. Ah, 800. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit dresseur ici, par hasard? Il n'y a pas de dresseur, non. Bon, pour 800 points d'XP, on va le faire monter d'un niveau vite fait dans la route victoire. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va faire fuite contre lui parce que Chiproch, voilà, je le sens pas très bien. Voilà. Hop, on va mettre Scarino. Wow, chaud. On va faire fuite. Ok, on va aller soigner, puis on va le faire vite fait monter de niveau. Bon, c'est que pour 800 points d'XP, donc bon, ça va, hein, si je le fais monter que de 800 points, bon. Voilà, vous comprendrez, hein. Ouais, je veux les soigner. D'ailleurs, on va récupérer Krabos. Déplacer. Déplacer. D'ailleurs, on va regarder les stats à lui. Ok, donc il a 128 d'attaque, 111 d'attaque spé, 135 de défense spé et 100 de vitesse. Donc il a une nature plutôt pas mal, je trouve. Bon, c'est pas la meilleure qu'il aurait pu avoir, mais elle est plutôt bien. Il y a pire, franchement, il y a pire.
Bon, Simularbe, on s'en fout. Et lui? Lui, il a limite la meilleure nature qu'il aurait pu avoir, franchement. Parce que vu qu'il est physique, et ben ça baisse son attaque spé, ça augmente la vitesse. Donc vitesse et attaque, c'est en gros, c'est un gros bourrin. Donc il a une bonne nature, mais bon, au pire on s'en fout parce que on les utilise pas. Donc le Tentacool, je vais pas le relâcher, hein. Je le garde au cas où on a besoin de cascade, hein, évidemment. Ok, là y a rien, là y a rien. Et là, c'est pour la ligue. Ok, donc on va vite fait le faire monter d'un niveau, niveau 30. Donc il évolue niveau 33. Les 3 niveaux, je les montrerai au super bonbon parce qu'on est obligé. La règle, c'est que j'ai pas le droit de l'entraîner. Bon, là, c'est juste parce qu'il manquait quelques points. Donc bon, ça va quand même, hein. Ok, bon, à mon avis, il a pas séisme. Et puis même, il m'aurait pas tué. Il monte niveau 30. Donc voilà, hein, j'ai fait 2 combats contre des Pokémon sauvages. Waouh. Donc bon, c'est bon quoi. Alors, ils sont où mes super bonbons, ils sont là. Utilisés. Et de 1. Utilisés. Et de 2. Il va prendre Bélier. Non, franchement, il a force. Je mets pas Bélier, hein. Et 2, 3 derniers super bonbons. Et le quatrième, bah celui qui nous reste, on va le garder. Quoi? Marc Acrin évolue. Et voilà, on a un cochignon. Donc ce qui est plutôt bien. Parce que bah ça va être utile. Tente d'apprendre Fury. Fury, c'est nul. Garder les anciennes capacités, abandonner Fury. Ok. Alors maintenant, je vais faire une petite ellipse juste pour regarder. Alors, on a des écailleurs ou pas? Juste pour voir. Ouais, non, on en a pas. Donc, je vais faire une ellipse pour voir où on trouve les écailleurs. Et aussi, où c'est qu'il y a le mec. Où c'est qu'il y a le mec qui réapprend des attaques. Donc, à tout de suite. Ok, re tout le monde. Donc, bon, je. J'ai pas trouvé comment en avoir facilement. On peut en avoir avec. Avec Éclatroc, normalement. Sachant qu'Éclatroc, je l'avais pas récupéré, mais il se récupère. Il se récupère vers le où il y avait le Simularbre. Enfin bref, on s'en fout. Moi, je vais essayer de le chercher au cherche-objet parce qu'on peut apparemment l'avoir au cherche-objet. Donc je vais tester ça, mais je ferai en off parce que sinon ça va être trop long. Donc nous, on va acheter un petit peu de trucs qui pourraient être utiles à la ligue. Alors déjà, on va en acheter 10 de ça. Et total, on en a combien dans le sac? Donc on en a 7. On va en prendre 8. Comme ça, ça en fera 15. Hop. Maintenant, on va vendre. On va vendre un petit peu tout ce qu'on n'a pas besoin. Du genre le... La pépite, voilà. Et du genre tous les rappels qu'on a. On va vendre ça aussi. On va vendre la potion. Parce que ça sert à rien les potions. Enfin les potions simples, ça sert à rien. Est-ce qu'on n'aurait pas des CT pourris? Oui, donc Éclatroc, je l'avais ramassé en même temps, hein, au passage, parce que je cherchais un peu des trucs, mais j'en ai pas trouvé. Enfin bref. Oh
Ouais, non. Ça, on va garder. Ça, on garde, ok. Ouais. Et bon, on va acheter. Acheter. Alors, qu'est-ce qu'on va acheter? On va acheter. Non. Non, 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 non. Ah non, je veux acheter, voilà. Ça. Ça coûte très cher, mais on va en prendre 5 parce que c'est ultra utile pour se soigner entièrement en un seul tour. C'est pour pas perdre de temps. Les total soins, on en a assez. Donc, on va reprendre des potions. On va en reprendre 10. Voilà, et on va faire. On va acheter aussi. On va acheter des trucs du genre. On peut pas passer là? Non. Du genre attaque plus et tout. Mais bon, ça je le ferai en off parce que faut aller à Doublonville pour les acheter dans le grand magasin et tout. Donc, je ferai un stock de ça en off. Et je chercherai une écaille cœur en off aussi. Et comme ça, au début du live, on ira faire évoluer Cochignon en Mamochon. Et puis voilà, on le fera évoluer. Et puis. Puis on fera la ligue. Donc. Moi je vous dis à bientôt, à mercredi 13h30 pour le live de Pokémon Heart Gold en mode Nuzlocke Challenge sur la ligue. Donc allez, salut tout le monde, portez-vous bien, soyez présents sur le live, allez, et à très bientôt mercredi, soyez présents.